Bienvenue, mes chers internautes. Merci beaucoup. Restez branchés dans votre chaîne en ligne, Groupe Tamouzi Business. N'hésitez pas à s'abonner. Enfin, des contrats avec le club chinois de Beiyang Guang à la fin de cette année. Cependant, Bakambu n'est pas parvenu à un accord avec le club chinois. La direction du club turc surveillait de près la situation de l'attaquant congolais international que l'entraîneur de Fenerbahçe veut toujours avoir dans son effectif. C'est Bakambu qui n'a pas l'intention de renouveler le contrat avec le club chinois. Sera joueur libre le 1er janvier 2022. Le club turc de Fenerbahçe manifeste et insiste de plus en plus pour enrôler le buteur congolais des 30 ans. Enfin, Cédric Bakambu dans le radar de Fenerbahçe en Turquie. N'hésitez pas à s'abonner pour ne pas manquer à d'autres news. Cédric Bakambu vise déjà le championnat turc avec ce club Fenerbahçe. N'hésitez pas à s'abonner pour ne pas manquer à d'autres news. Abonnez-vous massivement. Voilà l'international congolais, Cédric Bakambu.